la sens pas. Tac, tac, tac. Oh, lui. Alors, lui. Putain, je l'ai vu, je l'ai. Oh, là! Oh, je l'ai vu! Je l'ai vu à la frame! Je l'ai vu tellement fort! Là, par contre. Ah non, même pas. Et ça, c'est quoi? Une cuirasse. Port d'armure intérieure. Ah, pas mal, mais je ne peux pas. Donc, du coup, je vais. Non, c'est pas ici, c'est l'autre. Parfait. Ah, c'est ma force accrue Mon qui fait. sac est trop lourd. Voilà. J'ai du mal à le porter. Du coup, on va se reprendre une force de taureau. Écoutez, j'en ai beaucoup. Voilà. Tant que je peux me bourrer la gueule à la potion. Bonjour, toi. Générateur de. Ah, ok. Ok. Non mais il a même pas à réfléchir hein. Il a même pas à réfléchir, d'un, garde le rythme, je suis en train de tout casser. Bientôt fini d'un, bientôt fini, résiste. J'ai raté ça, non mais non mais... Mais t'en fous pas de moi. J'arrive. Putain, là, je suis désolé si tu vas mourir. Heureusement, je vais te faire un bandage magique. Je ne veux pas que tu meurs, d'ailleurs. Surtout que... Waouh! Tu résistes super bien. Parfait, d'ailleurs. Du coup, ouais, j'ai tout de suite capté le truc, tu vois. Il a essayé de me mind, mais j'ai vu dans son regard. Les ennemis sont. Les ennemis étaient proches. Il y a comme une blague en fait là. Ah, et là, les deux derniers. Les deux derniers. Pierres. Ouais, les dernières pierres, elles sont là. Hein? On me l'a. Écoutez, on me l'a fait pas. Merci d'Alain. On va prendre quand même 2 minutes pour se poser, du coup, parce que t'es un petit peu mourant. Mon Voilà. sac est trop lourd. Oui, J'ai du mal à le porter. c'est normal. C'est normal, c'est normal. J'ai forcé? Est-ce que j'ai forcé? Est-ce que j'ai. Putain, je suis trouble. Oh le. Espèce de gros con. Espèce de sac à. Oh, je suis un sac à merde. Mais alors là, le groupe le plus gros sac à merde du monde. Je suis un sac. Je suis un sac. Oui, bien, génial. Parfait. Alors, trop bien. Vas-y, Damien, défonce tout. Il y a un cas morgue. Ce jeu est quand même cocasse. Le vrai héros de ce jeu, c'est Dalin. Je l'ai toujours pensé et j'ai oublié un coffre. Cool. Mais il n'y a plus de pierre.
Merci. Je pense on ira plus vite. Ok, direct. Genre, on se le dit direct, les coffres qui sont piégés. Très bien. Moi, j'accepte. Alors, qu'y a-t-il? Collier. Des bottes de rapidité. Oh, pas mal. Spécialité, rapidité, 2 points. Il y a rapidité, mais rapidité de quoi? On ne sait pas. Écoute, démerde-toi pour le savoir. Les gemmes de la misère. J'aurais pas oublié un truc. Parce qu'il me semble en avoir vu 5, 5 machins. 5 emplacements. C'est ça que j'ai oublié? Ah, peut-être. Bah, j'avais oublié ça, très bien. Ça, je l'ai vu. Ah, ça, c'était bon. Et ça, c'était bon. Et c'était... Ouais, c'était ici. 1, 2, 3... Ouais, 5. Ah, c'est toi qui es le dernier. Si tu me dis que t'es le dernier, c'est logique. Et dans ce cas, il y a plus zéro problème. Par contre, si c'est pas toi qui es le dernier, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai tout compté dans ma tête. À moins que j'en pose 4 là et j'ai un truc là. Ce qui est logique aussi. Si tu poses 4 trucs, t'as un truc en plus et c'est bien, c'est cool. Regarde, ok, une sphère. Oui. De l'or. Et là, c'est le dernier coffre. Le coffre. Un anneau d'argent. Très bien. Piédestal, voyons voir. Tablette de la lumière pourpre. Oui. Ce piédestal est légèrement creusé comme pour écrire une petite pierre précieuse. Par sa conception suivante. La princesse se cache dans sa chambre et ne quitte jamais le lit. Promis à celle qu'elle n'aime pas, elle pleure un amour interdit. On dirait la parole d'une chanson un peu nulle. Donc, gemme dans la misère. Faut que je mette toutes mes gemmes dans un seul endroit. Ah la vache. Donc, gemme dans la misère. Gemme du devoir. J'ai dit gemme du devoir. La gemme de l'honneur. Et il y en avait une quatrième. Gemme de la douleur. Et c'est tout normalement. Je pense que c'est tout. C'est ça. Donc ça, je pense que ça doit être la douleur ici. De la lumière verte. Alors, c'est... Le garde est toujours en éveil, ignoré et jamais remarqué. Serment de fait de protéger son maître, trouve récompense en sa fidélité. C'est un devoir. Ça doit être ça. Lumière bleue. Alors, un jeune homme emprisonné sous le château, puni par un amour interdit, son corps brisé souffre 1000 morts, sa femme... Bien plus haut se languit. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Le roi reste assis sur son trône, le regard lourd de sagesse. Des héros se prosternent à ses pieds, ses sujets sont pleins d'allégresse. La gemme de l'honneur, sans doute. Alors. Je pense que ça doit être le devoir. Non, plus la misère. Ça a l'air d'être ça.
Ah bah oui, la misère, parce que... Et là, c'est la douleur. Et qu'est-ce que j'ai fait apparaître dans ce piédestal? Il paraît évident que la magie de ce piédestal est puissante et garde sans doute quelque chose de très précieux. Les protections de ce piédestal central sont liées aux quatre autres qui l'entourent. Une saphir étoilée. Sa taille est impressionnante et les qualités d'une finition unique. Cette pierre semi-précieuse a une grande valeur particulièrement pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la famille Cherou. J'ai donc obtenu ce saphir étoilé qui, je pense, est utile dans une quête. Voilà. C'est beau, j'aime beaucoup. Donc, ce que je vous propose avant de nous arrêter là, c'est quand même de savoir à quoi sert ce saphir de Chirou, quand même. Donc, Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. oui, ton sac est trop lourd, écoute, la ferme. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que on cherche. On cherche des trucs et puis voilà. Et d'ailleurs, en fait, je crois que j'ai dû oublier une quête. Donc, je fais une petite pause. Voilà, le temps de trouver à quoi sert cette quête. Et puis, on se revoit tout de suite pour quelques minutes avant de nous arrêter là pour cette session. A tout de suite. Bien, donc, j'ai une bonne nouvelle. Au moins, ce sera ça. J'ai raté une quête qui demande de ramener la tête d'un mec qui est dans mon sac, que je vous ai montré au début, dont j'ai oublié le nom. Qui est à l'enclave des mercenaires. Ouais, qui est un enclave des mercenaires. Ah bah, enclave des cafétolés. Voilà. Auberge, enclave mercenaires ici. Oui. Non, mais tais-toi, 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 tu m'énerves! Ah, il m'énerve. Voilà, ici. C'est où qu'on entre? Je me fais bloquer par une caisse. Incroyable. Alors, c'est toi. De retour. Vous avez besoin. J'ai la tête de machin. Voilà, c'est ça. Persuasion, échec, tant pis. Rien à foutre. Qu'est-ce que t'as en stock? Qu'est-ce que toi, t'as des trucs bien? T'as que de la merde. Très bien. Donc, là, pour la tête, déjà, ça m'a mis 312 d'XP. Ce qui est bien. Et pour le saphir. Alors, le saphir, je l'ai découvert. Je l'ai découvert. Mais il faut aller au comptoir de négoce. C'est-à-dire le truc qui est là-bas. Genre tout là-bas. Et que je ramène ça à je sais plus qui. À lui, je crois, à Usher. Salutations. Hop là, blabla. Ah mais je l'ai avec moi le saphir étoilé. Incroyable. 3400 XP. Parfait. Merci mon grand. Bon, est-ce que tu as un truc cool toi? Alors t'as des pièges, des herbes du chaos. Alors, herbes chaos, suggestion, mort et vent. Des trousses à pièges, des outils de cambrioleur, ma foi, fort sympathique. Un bâton. Oui. Est-ce que t'as des sacs? Un sac cool. Ou alors des bonnes armes qui défoncent du cul. Oh, c'est de faux. 2D4 critique x4. Mais parce combien de TP déjà? S15, ouais, faut pas trop que je mette. Oh! Parce combien celle-là?
Oh, je la prends. Ah, vas-y, on va changer d'arme. Oula, oh putain. Attendez. Mon sac est Ouais. trop lourd. J'ai du mal à le Donc porter. là, c'est 2d6, 19, 20 fois 2. Et là, c'est pareil, sauf que j'ai un bonus d'altération de 3. Donc, tiens, je t'en vends ça. Et voici ma nouvelle arme. Une nouvelle épée à deux mains qui défonce. Et ça, c'est trop bien. Ah, puis on a plein aussi. Bien! Bien, bien, bien. Puis lui, puis là, on a des nains. On a des nains, on en a un qui fait un truc. L'enclume. Je sais pas quoi ça sert une enclume. Hey, salut! J'en ai un qui fabrique un objet. Qu'est-ce que. Ah putain, tu m'énerves avec ton niveau. Alors vas-y, lisons. Putain, t'as rempli mon sac, je vais t'effoncer, toi. Alors, placer les armes et les composants requis dans la forge d'Uzrael. Alors, essayez un diamant et une armure magique de CA plus 6. Waouh, ouais, en fait, c'est chiant ton bouquin. Je vais le poser par terre. Bien, et bien, c'est là-dessus que cette petite session des War Internet se termine. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé jusqu'au bout, de vous dire d'avoir regardé peut-être cette vidéo, la session, bien même les vidéos jusqu'ici, jusque de numéro 1 jusqu'à 146, je pense, normalement. Si cela vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, me suivre sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine sur Neverwinter Nights.